Alors nous sommes en ligne avec Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Deux élus Front National qui font donc leur entrée ce soir au Sénat. Quelle est votre première réaction? Bah écoutez, ce résultat dépasse nos espérances, hein, et je crois que c'est la démonstration de la dynamique incroyable du courant patriote. C'est vrai que cette entrée est historique et elle est symbolique puisque entre au Sénat le plus jeune sénateur après qui a été élu plus jeune député. Le Front National est le représentant de la jeunesse de France et il le démontre par l'intermédiaire de ces deux élus. Mais il faut aussi voir que la progression est spectaculaire dans l'ensemble de la France puisque nous recueillons un nombre de voix très supérieur au nombre de nos élus propres, jusqu'à 10 fois plus dans certains départements. Je crois que ça témoigne de notre capacité à attirer des élus de proximité qui ne sont pas étiquetés Front National ou Rassemblement Bleu Marine. Ça nous permet d'envisager l'avenir électoral de manière plutôt optimiste. C'est-à-dire que vous consolidez votre ancrage politique ? Oui, bien entendu, nous le consolidons. Mais surtout, encore une fois, nous sommes capables d'attirer à nous des grands électeurs qui ne sont pas étiquetés Front National ou qui n'ont pas été élus sur des listes Front National ou Rassemblement Bleu Marine, ce qui veut dire que notre capacité de progression est encore extrêmement importante. Concrètement, vous avez profité du mécontentement de ces petits élus locaux à propos de la réforme territoriale, des baisses des aides de l'État ? On peut toujours essayer de trouver des explications. Moi, ce que je crois, c'est que nos idées avancent. Et elles avancent dans tous les secteurs de la France. Elles avancent au niveau des électeurs. Elles avancent au niveau aussi des grands électeurs. C'est un vote d'adhésion. Et c'est vrai que la position intelligente et rationnelle que nous portons sur l'organisation des territoires face à l'inquiétude, face à l'insécurité qui est en train de mettre en œuvre le gouvernement est probablement un élément important. Merci Marine Le Pen pour votre réaction en direct sur iTélé.